Samedi 9 mai 2015. La grande histoire du football se souviendra de cette date. Samedi 9 mai 2015, Bordeaux reçoit Nantes et le rideau se ferme sur Chabant. Vous pouvez lui faire une bise, c'est la dame qui est dans le bus avec vous. Un dernier match et une dernière victoire, histoire de terminer en beauté 77 ans d'une longue et incroyable épopée. Un dernier match pour une dernière journée particulière. Une journée qui commence dans le centre-ville avec l'hommage des ultras à leur deuxième maison, ce fameux virage sud qui leur a tant fait tourner les têtes, l'ivresse des victoires et parfois les larmes des défaites. Et sous leurs yeux, ceux qui ont construit la légende et parfois décroché la lune. Ce samedi 9 mai 2015, on se souviendra des mots d'Alain Giresse. À l'Escure, Chabant, ou maintenant au nouveau stade, les Girondins resteront toujours les Girondins. On se souviendra aussi des mots de Bicente Lizarazu. Pour moi, c'était normal d'être ici et de vivre ça avec vous. Les ultramarines ont voulu offrir à tout le peuple marine et blanc, pas que les gens du virage sud, les gens des tribunes de face, du virage nord, de la tribune d'auteur. Ça, c'est votre journée. C'est votre journée. On n'allait pas partir comme ça du parc Lescure qu'on fréquente depuis tant d'années. On se souviendra enfin peut-être des buts bordelais, une victoire de 2-1 et un doublé de Diego Rolan, le jeune joueur uruguayen en guise de cadeau d'adieu ou d'au revoir. Ce samedi 9 mai 2015, l'Escure était un volcan en fusion et il suffisait presque de fermer les yeux pour deviner la lave incandescente des souvenirs. Quand un volcan est aussi une machine à remonter le temps.